Hey, salut les geeks, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va nickel et pour une très bonne raison parce qu'aujourd'hui il y a eu un nouveau patch. Enfin, aujourd'hui cette vidéo sortira pas le jour où il y a eu le patch, bien sûr. Aujourd'hui, le 13, pour moi, le jour où je tourne la vidéo, il y a eu un patch sur Warzone ou un patch pour la DMR, la MAC-10, la Type 63 et le Diamati Akimbo. Et j'ai fait une petite partie pour voir un peu ce que ça donnait. Je peux confirmer que c'est bel et bien patché, que le patch précédent était vraiment juste là pour combler les blancs. Et que bah voilà quoi, il fallait vraiment que le patch soit présent et ils l'ont enfin mis en place. Donc pour ceux qui se rappellent pas, tout simplement l'Akimbo, pardon, le DMR 14 avant, bah c'était ça. Une cible, là! J'arrive sur zone. Ils sont là? On va pas tarder à les voir, voilà, je le vois. À terre. À terre, GG. Touché une fois. GG. On s'envoie un largage tactique. Véhicule. À terre. Vu. Putain! Et maintenant que vous avez vu ce que c'était avant, que c'était bien cheaté, bah il est temps que vous voyez ce que ça donne maintenant. Mais avant que je vous mette le gameplay, bah, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, le petit pouce bleu, le commentaire, hein, comme d'habitude. Je vais pas vous refaire le topo à chaque fois, enfin si, mais bon, voilà quoi. Faut bien que je le fasse. Donc je vous laisse sur le gameplay et on se dit à la prochaine. C'était Baba pour servir. Ciao, peace! Faut que je vois ce qu'elle donne la DMR. Ah, c'est toujours aussi marrant à jouer, mais un peu moins, tu vois. Mais je t'ai dit, j'ai vu la vidéo de Skyrose et en fait, J'ai tu pas vois vu, que j'ai le. vu le titre, c'est pour ça que je t'ai envoyé le De truc. quoi? J'ai juste vu le titre, la notif, et Ah. je t'ai envoyé le message après. Mais en fait, le recul, il est pas augmenté de ouf. Mais tu vois qu'il est augmenté, elle est plus aussi stable qu'avant. Par contre, la Type 63, elle est vraiment devenue dégueulasse à jouer. Ah, de toute façon, elle était déjà inférieure à la DMR avant, donc Ouais, mais ils ont quand même baissé plus la Type 63 que la DMR, tu vois. Et je trouve pas ça normal. Parce que la Type 63, elle était pas plus jouée que ça. Enfin, si, mais. les gens la prenaient pour une DMR Lite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est en gros, si t'arrivais pas avec la DMR, tu prenais la Type On est en 63. attente. Ah bah moi il est parti. Je l'ai pingé, il s'est barré. C'est une blague. Ouais, par contre j'ai pas vu pour le Diamati, j'ai pas vu pour la Mac 10. Il y a Déjà un plein contre un édito mec. pour un. Les mecs ils perdent pas de temps, t'sais. Déjà avec la Donc, couronne et tout. il commence la game, il a déjà pris une couronne. Grave. J'ai peut-être rejoué kilo quoi. Bah de toute façon moi je pensais j'ai déjà comment recommencé à prendre la kilo tu vois là j'avais arrêté de jouer un petit peu parce que ça me saoulait en fait de voir des DMR partout ça m'avait gavé du coup j'ai arrêté de jouer un peu à Warzone. Et là avec le retour enfin le retour la décadence de la DMR, il y a moyen que je rejoue un peu plus à avoir. Ouais, tu m'étonnes. Je vais voir ici. Je pense qu'il y a personne, mais. Il y en a un J'ai là. mis une petite boule de cœur et.
Par contre, il joue à la carte avec un VLK, quoi. Horrible. Ils sont là. Ouais. Ah, oh, je suis désolé pour ce que je vais faire. Beaucoup moins de dégâts. T'as fait quoi? J'ai pris les glaces, du coup, le coffre est tombé. Ah. Enfin, la caisse. Emplacement. Ah, je crois qu'ils arrivent sur nous. Je le vois plus, il est trop haut par rapport à moi. Je sais pas où il va. Je sais pas. Ah, là. Il est haché, donc il doit être vers là. Je vais prendre la dernière caisse vite fait. Mais il y en a encore après. Zone approche. Nouvelle zone. Ah merde, putain, je croyais que c'était la dernière. Par contre, ouais, en effet, hein, fait beaucoup moins de dégâts. C'est moins de dégâts alors? Ouais, ouais. Bah, mais c'est pour ça qu'avant Kevin il m'a dit putain, il a mis genre 4-5 balles sur un mec, il l'a pas buté. Bah, en fait, je pense que les dégâts à la tête. Ouais, c'est celui-là qui est. C'est ceux qui nous tirent tu vois. Ouais, je sais pas. J'ai touché. Touché aussi. Par contre, le recul, si tu le gères bien. Ouais, ça va quoi. Putain, j'ai vu les strife packs là pour manette, tu sais, pour pas avoir de recul et tout. Ouais. C'est 40 balles hein, en vrai, tout le monde peut l'acheter quoi. Sérieux, c'est aussi peu cher que ça. Ouais, ouais, et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise quoi, sur console. Enfin, sur mallette en général, quoi. Parce qu'à ce prix-là, mec... Tu t'achètes un espèce de hack pour pas avoir de recul, t'es tranquille, hein. Ah, mais clairement. C'est pour ça que des fois, on se fait monter par des mecs et l'arme, elle bouge pas, quoi. T'as, j'ai encore de la thune. Tu veux acheter un Notoria et tout? On peut. Putain, t'as ma thune, toi. Bah ouais, justement, j'ai 14 000. Profitons-en. Ouais, bah y'a les deux gars là qu'on a touché avant là, ils sont là-haut, ils sont sur... Eh c'est pas... Non je crois pas. Et ils tirent sur quelqu'un. De quoi? La voiture, c'est pas la voiture d'Harry Potter ça? Je vais dans cette direction. Si, ça ressemble de ouf. Ça ressemble de ouf non? Drone allié dans les airs. Ils sont sur le toit, hein. Ah, je les entends tirer à la DMR. Ils sont sur une autre team. Ah, je les vois, ils sont là. Ils doivent tirer sur des mecs sur la plaine, je pense. Ouais, ouais. Mais je vais aller derrière eux et je vais les fumer. Vas-y, moi je les prends de face, enfin de travers. Autoria, du coup, là il y a un mec. Il y a un mec tout seul ici. Quoi. Par contre, la AK-74U là, trop cheaté. Allez, bien. Beaucoup trop cheaté. Là, je me fais tirer dessus. Ouais, sur le toit là-bas. Ils sont en zone de toute façon. Au pire, on les attend. Hein. J'arrive pas à viser avec. Avec quoi? À terre. J'ai. Bah, à mon avis, il a un Autoria. Sur le toit. Train station? Oh putain. Exactement sur le toit. Ah là-bas, ok. Vous êtes pourchassé par une équipe ennemie. Ouvrez l'œil. C'est bon, j'ai eu. Ok. Il y en avait un deuxième? Ouais, j'ai pas eu l'équipe éliminée.
Donc le deuxième... Faut faire gaffe au shop qui est là. 15 zones approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Derrière nous. Putain, et ça venait de loin. Hein. Ça monte. Ça monte. J'ai entendu courir. Ah, ils sont peut-être juste en dessous. Ouais. 50 mètres par là. Je vais par là. Sur le shop. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Là, juste au-dessus de nous. Un ennemi atterri. Ouais. GG. C'est toujours aussi cheaté quand c'est moyenne et, courte distance. Par contre, en longue distance, c'est devenu ultra dégueulasse à jouer. Ouais, donc ça va en vrai, parce que de toute façon on s'en servait jamais comme sniper. Hein. Je l'ai déjà utilisé comme sniper et je peux te dire que c'est ultra cheaté. Hein. Ouais, c'était marrant, mais je veux dire, là ça va, tu vois, en vrai, ça suffit. Viens, on va prendre Autoria et tout. Il y a une protection. Y'a pas quelqu'un là-haut? Je crois pas, non? Pourquoi? Drone ennemi au-dessus! Un drone arrive sur zone. Attention, ouais, le gaz se rapproche. Ouais, j'ai pas de thune. Alors, oh putain, il y a un mec au shop là et il y a des mecs là. Là c'est quoi, on va prendre le... Ouf, il y a trois teams là-bas. Au niveau du shop, il y a trois teams. Ouais, il y a trois teams. Ouais. Ça a pris des classes au shop. Ça a pris des classes. Là. Ouais, juste devant nous. Ah non, putain, quel con. Il est juste là au niveau du muret. Je suis trop con. Que mec il attendait penché que ça se val. Il pourra reprendre le combat. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. Votre coéquipier a échoué. Il est en route vers la base. Je me suis fait déchirer. Vous êtes le dernier. Tout repose sur vous. Il y a une lampe torche dessus automatiquement? Oui. Arrête. Oh, mauvais plan. Ah non, mais quel con! Mais mec, t'autorien pas, tu vas mourir. Et j'essaierai même pas de m'autorien. J'ai pas compris ce qu'il foutait coucher, le mec. Les textures de source de ce. Ah, y'a un mec qui arrive. Ils sont derrière toi. Lui, je l'avais pas vu, tu vois. De zone de sécurité. Ah, j'allais dire. Les mecs auraient pas eu le temps de se barrer aussi. Ah bah évidemment. Il en restait plus que 25. Sniper dans la maison. Et évidemment. J'avance.
Ah, mais c'est lui qui m'a tiré dessus alors. Ah, ouais, c'est lui au moins. Je comprenais pas. Ouais, donc en fait, le patch est vraiment est bien effectif. Pas comme avant, tu sais, le semi-patch qu'ils avaient mis en place était full dégueu. Cible verrouillée, éliminez-la. Au mieux, au moins, il y aura peut-être moins de DMR. Oui, mais je pense que ça va être ça. Et comme il a dit Skyros dans sa vidéo, je pense que tu vas avoir beaucoup moins de personnes avec, avec la DMR. Et les seules personnes qui vont jouer avec, c'est des personnes qui auront les capacités de jouer avec, tu vois, genre c'est pas des semi-pro, ouais. Tu vois. Ce sera pas des... Comme avec la Fall, en fait, à l'époque. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ce sera des personnes qui sauront jouer, tu vois. Parce que bon, pour jouer une arme comme ça, il faut savoir quand même jouer à la base, quoi. Bah ouais, celle-là, en fait, elle était tellement cheatée que n'importe qui pouvait la prendre, du plus mauvais au plus bon sur Warzone, pouvait jouer avec, tu vois. Bah c'est ça, ouais. Alors que maintenant, bah c'est plus une arme destinée aux personnes qui savent contrôler un recul, tu vois. Eh oui, eh oui. Donc voilà.